Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyé. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons présenter ce mot, Seigneur, Père Tout-Puissant. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Je vais te dire merci en ce jour béni pour le souffle de vie que tu m'as donné. Pour la paix que tu me donnes tous les jours, je vais te dire merci pour la protection, Père. Je vais te rendre toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre 1 Jean. Prends ta Bible avec moi. Nous allons prendre 1 Jean 4 et nous allons lire le verset 8. Alléluia. 1 Jean 4, 8. Voilà. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Aujourd'hui, c'est un problème. C'est un sujet délicat. Voilà. On nous parle de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils sont en train de voter des lois par rapport à l'homosexualité dans notre pays. Amen. Voilà, mais moi je ne peux pas dire grand chose parce que moi j'ai évangélisé ce milieu-là. Vraiment beaucoup sont venus à Jésus par moi. Voilà, donc je crois que nos députés et autres, il faut aider les homosexuels à connaître Dieu. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce verset. Voilà, il faut les aider. C'est l'amour. Je crois que dans les autres pays, on les tue, on les frappe, on les brûle, tout et tout. Mais je dis que ce n'est pas la solution. La solution est que ces personnes connaissent Dieu. Alléluia. Il faut leur présenter Jésus de Nazareth. Il faut leur dire que Jésus les aime. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Ce n'est pas l'homme. C'est un esprit qui est déjà en eux, mais il faut les aider à connaître Christ. Il faut les envoyer à l'église. Il faut évangéliser ce milieu. Alléluia. Alléluia. C'est des gens qui sont tellement gentils. Ils sont tellement gentils. Ils veulent connaître Dieu. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas commettre un péché en les tuant, en les brûlant. Hein? En les refoulant, en les chassant. Il y a des gens même qui les chassent des églises. Il faut présenter l'amour de Christ, que Jésus les aime. Il faut leur dire que le Saint-Esprit est là pour les aider. Il faut leur dire que tout le monde les aide. Il faut les aider au fait. Il faut les aider parce que c'est un sujet délicat. Voilà. Donc, nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas notre pays. C'est un petit pays. Voilà. Donc, il faut passer. Je vais dire aux députés de passer par les religieux. Voilà. Il faut associer les religieux, les pasteurs, les prêtres et les imams. Il faut associer tout le monde. Faudrait pas que ce sujet-là reste à l'Assemblée nationale. Voilà, il faut laisser le président Alassane à côté. Voilà, parce qu'il n'est pas député. Mettez-le à côté et retournez dans le peuple. Alléluia, allez-y vers le peuple qui vous a élu. Allez-y là-bas, faites un sondage pour savoir si réellement les gens sont prêts à accepter les homosexuels. Voilà, s'ils sont prêts à accepter, là, ça dépend de vous. Mais je crois que le président n'a rien à voir. Laissez le président à côté et allez-y vers le peuple. Et faites un sondage dans vos départements. Voilà, faut faire un sondage pour savoir si les gens sont prêts à accepter les homosexuels. Ne votez pas les lois comme ça. Voilà, parce que en Afrique, on a tendance à dire, bon, on s'élève et puis on fait une ordonnance là. Non, mais ça, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat, donc il faut aller vers le peuple. Voilà, donc par amour, allez-y vers le peuple. Je vais dire aux députés d'aller vers le peuple qui les a élus. Voilà, il ne faut pas prendre des décisions par-ci, par-là, ou bien le président va déposer un papier pour dire que non, moi je veux que ça soit, ou bien je ne veux pas que ça soit. Non.
Vous êtes élu par le peuple, c'est le peuple qui vous a élu. Donc, la population est là, la population vous attend. Voilà, donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, parce que c'est un sujet qui est très, 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 très délicat. Alléluia, il y a des femmes qui sont, je ne sais pas comment, les guines, là, les là. Et puis, il y a des hommes qui sont des homosexuels, voilà. Voilà. Mais toujours est-il qu'il faut les prendre par amour, il faut les aider, il faut les évangéliser, il faut dire au Saint-Esprit d'être avec eux et que le Saint-Esprit les libère de tous ces liens sataniques. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que l'amour de Dieu soit dans vos cœurs, que l'amour de Dieu qui surpasse toute autre chose soit en vous. Alléluia, que Dieu se glorifie dans vos cœurs, que les députés prennent une bonne décision. Alléluia, que l'Esprit de Dieu fasse avancer l'Afrique. Alléluia, Dieu est lumière, soyons dans la lumière et chassons les ténèbres. Alléluia, Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre bannière, il est notre forteresse. Il faut présenter Jésus à tout le monde. Alléluia. Il faut dire au Seigneur de pardonner à toutes ces personnes-là, voilà, qui t'ont fait du mal. Dieu est rempli d'amour. Dieu est plein d'amour. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Il est tout puissant. Il est riche et en miséricorde. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Notre Dieu que nous prions est amour. Alléluia. Notre Dieu est un feu dévorant. Il faut faire attention. Il faut choisir la bonne part. Que le Seigneur te bénisse. C'est votre bien-aimé Moyé. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Alléluia. Celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Alléluia. Car Dieu est amour. Alléluia. Dieu a manifesté son amour envers nous par Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, il faut aussi que les autres soient sauvés. Alléluia. Présente Jésus-Christ. Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous frères et sœurs en Christ. Alléluia. La Bible nous dit que quiconque n'aime pas son frère ou sa sœur n'a pas connu Dieu. Donc, aimons-nous parce que Christ nous a aimés. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est ma pensée du jour. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est votre moyen. Merci Seigneur. Au revoir.